Veuillez vous asseoir. The President, please be seated. The court is now in session. During this morning session and as scheduled, the chamber is going to hear testimony of the accused person Nguyen Chia, who shall be posed a question from his own counsel. Security personnel are now instructed to bring Nguyen Chia to the dock. De conduire Nguyen Chia dans le box. The President, Counsel Ang Odom, you may La parole proceed. Est à Maître Ang Odom. Counsel Ang Odom. Maître Ang Odom. Good morning, Mr. Bonjour, President. Monsieur le Président. Good morning, Your Honours. Bonjour, Madame, Monsieur our le sincere juge. Apologies for being on my feet to raise this request. Our client, Mr. Yang Sari, has asked that he be excused from this courtroom, and that for the time being he has a problem with his feet, swelling feet, and also back pain. And for that reason, he asked that he be excused and observe the proceeding from the holding cell so that he can rest his feet. La cellule temporaire. He would like to follow the proceeding from the holding cell for the whole day Et ce, today. Pour toute la journée d'aujourd'hui. The President. We note the request by counsel for Yang Sari with regard to Yang Sari's request for participating in the proceedings l'autorisation d'assister à l'audience remotely depuis from la the cellule holding temporaire. Cell where audio equipment are linked. And the reason for this request is that Yang Sari has problem remain et que Monsieur Yang Sari in this ne peut courtroom. Rester the assis court longtemps dans le or the chamber therefore grants La chambre such request. Accède à cette demande. And that he will be taken to the L'accusé holding cell where he can follow the proceedings remotely. Et pourra suivre l'audience. Counsels for Nguyen Chia are asked to produce the waiver La immediately. Est prié de remettre the waiver which immédiatement is signed le document de renonciation portant la signature ou les empreintes digitales de l'accusé. Person. Security personnel, rather the AV officials are now instructed to link au service the holding cell de AV relier to the courtroom so that the accused person can follow the proceeding from the holding cell. Security personnel are now instructed to le personnel de bring sécurité the accused person Yang Sari to the holding de cell. De conduire l'accusé Yang Sari dans la cellule temporaire. The President continues. Before we proceed to Nguyen Chia counsels for putting questions Avant to de la their clients de with regard to the context of son the client history of democratic Cambodia, the Chamber would like to ask how much time la Chambre
councils voudraient s'enquérir du temps dont la défense aurait besoin pour son interrogatoire. Historical background of the Democratic Cambodia subject. Good morning, Your Honours. Good la morning to everyone. De Nunchia. Bonjour, in the courtroom. Madame, Monsieur le Juge. Bonjour I believe à toutes et à tous. We are the last to ask nous sommes questions les to derniers our client à with regard interroger to the notre client concernant le contexte historique. I have not many questions. Je n'ai pas beaucoup de questions, trois ou quatre. But it's difficult for me to predict mais il m'est difficile how long the answers to those questions will be. De prévoir quelle sera la longueur but, des réponses normally, it should not take qui seront faites à ces questions. Minutes. Mais je pense que ça ne devrait pas I have, prendre plus d'une demi-heure. Short, procedural, par ailleurs, matters j'ai I would like to deux discuss. Autres questions de procédure à soulever. Je pourrais le faire avant l'interrogatoire de mon client ou bien après. The President, you may proceed with le président, the je vous en prie. Procedural matters vous that are relevant to de the issue before us and that you are not allowed to make any other observation. Cela étant, vous n'êtes pas autorisé à faire d'autres observations. First of all, la défense de Nunchia. Merci. With regard to the witnesses that have been heard. Concernant les témoins qui ont été entendus concerning the historical au sujet context, du contexte background historique. Of this case. We think that the witnesses that have been heard have been unable les to témoins give qui ont été entendus n'ont pas pu présenter un tableau clair du contexte historique. Nous avons entendu deux témoins. L'un des témoins est entendu par liaison audiovisuelle, ainsi qu'un ancien About the secrétaire de district period. Qui n'a rien pu dire concernant la période antérieure à 1975. Documents will be discussed. La semaine prochaine, il sera question des documents, nous le savons. I'm taking this opportunity to announce that we will also ask, je profite de l'occasion pour dire que nous allons également demander que soient entendus d'autres témoins concernant le contexte possible. Historique, et ce dès que possible. In any case, we assume en tout état de cause, that we will be allowed nous to ask supposons some que nous serons autorisés à interroger certains témoins qui seront entendus plus tard dans ce dossier, en particulier des experts concernant le contexte historique. J'espère donc que nous pourrons revenir sur cette question lors de la déposition de ces témoins, même si ces témoins ne sont pas cités à comparaître dans le cadre de ce premier segment du procès. C'était ma première remarque. Deuxième chose. I'm sure we'll make you less happy. Je sais que cela I will make myself not popular with the bench. Ne I realize when I raise contenter, je ne vais this matter again, but we think vos bonnes grâces en soulevant à question, à nouveau cette question, mais selon nous, c'est un point très important. Reluctantly, we have to revisit contre-cœur remarks que nous made devons at a press conference now some time ago in Vietnam. Sur la question de propos qui ont été tenus lors d'une conférence de presse au Vietnam. The President, we have already advised la Chambre Council already that a déjà indiqué you cannot really take the advantage of the allocated time to put questions to your client, to ask questions which are not relevant, qui sont dénuées de pertinence or other issues. Et qui sont sans rapport avec l'interrogatoire the Chamber de has already addressed la Chambre this a déjà before, statué and that when the là-dessus. Chamber has ruled on it, and you are not satisfied with such ruling, you can file an si vous n'êtes pas satisfait de la décision rendue par la Chambre, vous pouvez vous pourvoir un appel. Before the eyes of the law, and you are not allowed to mais vous n'êtes pas autorisé make any further statements à faire d'autres observations à ce sujet the subject matter that has already been ruled. Car c'est you là are un point qui a déjà été tranché par la Chambre. Pose questions to your client présent, concerning the il vous appartient d'interroger votre client au sujet du contexte historique context. Du Kampuchea and if you do not really have any questions to
si vous n'avez pas de questions à poser, to the witness, to the, your client, then à votre the client, chamber can conclude that you alors have no questions. La Chambre pourra en conclure que l'interrogatoire est terminé. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. I do have questions. J'ai des questions à poser. We will certainly appeal. Et nous allons the decision, certainement all decisions we think nous pouvoir en appel be contre la décision et contre toutes les décisions qui doivent être frappées d'appel, et ce, à la fin like de l'affaire. On ne peut pas le faire avant le jugement. We maintain, je voudrais vous expliquer brièvement que nous conservons notre position selon laquelle votre décision n'en est pas une. Le Président interrompt. The President, we do not allow you to make any further vous n'êtes pas autorisé if à poursuivre. You wish to proceed with the matter that the chamber do not allow, then la chambre we can a déjà move statué sur cette question. To the next item of agenda et nous pouvons of the passer proceedings because we have been doing our best suite to expedite the proceeding, not delaying la chambre it. Tient à accélérer la procédure. À accélérer la procédure. But I think I should at least be allowed to, je dois given the opportunity to explain why avoir I l'occasion think d'expliquer this is an pourquoi, that à mon avis, c'est again. Une question importante qui doit être soulevée à nouveau. The President, le Président, the chamber is very clear. The message la Chambre has already been clearly a déjà the chamber wishes clairement not to hear fait passer more son from message. You on this. Elle ne souhaite plus vous entendre à ce propos. Do I understand that I'm now forced to file a written suis-je motion? Forcé de déposer des écritures puisque vous n'êtes pas prêt à écouter mes observations orales. Le Président. The President, we do not force you to file a vous n'êtes pas forcé complaint. À déposer des observations écrites. Rights. Vous avez and le droit de le faire. Refer to the relevant provisions. Et je vous renvoie aux dispositions pertinentes du règlement intérieur. Applicable before this chamber, and you can exercise your rights accordingly. Vous pouvez exercer the chamber les has droits already qui vous sont reconnus dans le règlement. Set the schedule for la chambre the a fixé expeditious trial un calendrier proceedings. Pour les audiences, have already been de manière à assurer leur bon déroulement, le calendrier a été présenté and you aux have parties. Already been well informed of this. Et les parties sont donc dûment informées de ce calendrier. L'audience d'aujourd'hui porte sur le contexte historique du Kampuchea démocratique dans le cadre du premier segment du procès. First phase. And we also call this case files case 002/1. Il s'agit du dossier appelé dossier 002/1. So there is no floor given to counsel for further debate other than those relevant la défense to the ne peut aborder subject des questions différentes de celles visées par we présente accept audience. Mr President défense, that the Monsieur agenda of course is determined by you but admettons we que maintain c'est vous qui that we are allowed le to raise oral mais nous questions and motions and I would like to know de if not today when we will be allowed to do so. Si nous ne I'm pouvons sure pas le faire aujourd'hui, j'aimerais savoir quand nous pourrons le faire. La semaine passée, il y aura certainement assez de temps pour que I, je puisse soulever la question durant 5 ou 10 minutes. To explain, but which I, malheureusement, has not been je n'ai yet, pas pu donner d'explication. Je n'ai pas encore reçu de réponse. Je vous prie de m'indiquer quand je pourrai soulever cette question à nouveau, après quoi je passerai à l'interrogatoire de mon client.
Le président. Normally, the chamber has noted that before you submit any requests or motions, you have never asked the chamber vous n'avez when you should file demandé such à la chambre motions. À quel moment now, the vous chamber seriez autorisé à déposer des observations ou des écritures. All your time left is 15 minutes. À présent, il vous reste 15 to minutes put questions to pour your client. Interroger votre client. If you fail to make the most of the 15 minutes left, then you will lose the chance to put questions to your client. Vous perdrez l'occasion d'interroger votre client. Yes, but I'm afraid I cannot accept that as an answer. I would like to know when I can raise. Je voudrais savoir à quel moment je serai autorisé à soulever cette question de procédure la semaine prochaine de préférence. Après cela, je pourrai passer à l'interrogatoire de mon client. The President. The Chamber notes that le président. Council has an attitude that shows that the Council doesn't respect the Chamber, the bench. De l'avocat de la défense your time is already running out. Please be seated. Votre temps de parole est à présent écoulé. Veuillez vous asseoir. Le président continue. May I know whether judges of the bench est-ce que les juges wish to put souhaitent questions to the accused? Poser des questions à l'accusé. Lavergne, you may Monsieur le juge Lavergne, je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. J'aurais effectivement quelques questions à poser à l'accusé Nuncia au vu de ce qui a été dit au cours des débats. Few questions to raise to Mr. Nuncia. J'aurais tout d'abord une première question en ce qui concerne ce que l'accusé nous a dit à propos de la suppression de la monnaie dans les zones libérées à partir des années 70, et plus exactement, je crois, à partir de l'année 1973. Est-ce que l'accusé pourrait nous expliquer ce que concrètement il est advenu des billets de banque qui étaient en circulation? Est-ce que l'accusé pourrait également nous dire si, à sa connaissance, il était prévu que les billets de banque émis par la République Khmer, donc du régime Maréchal Lon Nol, devait être remplacé par de la monnaie émise au nom du Grunk ou du Funk. Voilà, est-ce que l'accusé a compris mes questions et est-ce qu'il peut y répondre? Did the accused understand my question and is he able to answer, please? The accused. Nuncia. Good morning, my fellow citizens. Je salue mes compatriotes. Your honors, the president. Madame, messieurs les juges, monsieur le président. This issue happened a long time ago. Tout cela remonte My à il y a bien longtemps. Is not good enough. And ma mémoire at that time n'est plus très bonne. We did not circulate
the bank notes, nous n'avons pas mis en circulation des billets de banque were just issued to replace the London qui avaient été imprimés pour remplacer les billets was de London. Confusing to introduce these La confusion new bank régnait notes. Encore trop There pour pouvoir lancer ces nouveaux billets de banque. There were plans, for example, in exchanging goods at cooperatives, and only we wait until things Il était prévu d'échanger were des biens well dans organized les before we introduced the new circulation of the banknotes. However, the war de banque, nous voulions was still going on between Or, the Socialist Republic of Vietnam and the Democratic Cambodia since 1975 to introduce this new bank note. La notes. République socialiste du Vietnam immediately le after 1975 on early May billets. The Vietnamese troops invaded Début mai Cambodian territory along the coastal ont line cambodgien near Kampot province à proximité de if la province the president de Kampot, allows le long de la côte. I will be, si le président m'y autorise, I will explain in detail these accounts. The president, donner davantage d'explications. You have already explained to the court Vous avez déjà donné these des explications events, so you should not talk about this further. Il n'est pas nécessaire d'en reparler. Monsieur Nunchia. Ma question était un peu plus précise. Je Mr. voulais savoir ce qui, concrètement, il était advenu des billets de banque qui étaient détenus par les particuliers. Et qu'est-ce qu'il était aussi advenu des devises étrangères qui pouvaient être éventuellement détenues par ces mêmes particuliers? Et enfin, si le Kampuchea démocratique, en tous les cas, finally, le Parti communiste du Kampuchea utilisait lui-même des valeurs monétaires pour satisfaire ses propres besoins. En particulier, est-ce qu'il y a eu des achats d'armes, de munitions, et comment ces achats étaient-ils financés? Est-ce que là aussi, on pratiquait un troc, et un troc avec quoi? Just a matter of barter, in which case what was bartered? Thank you. Mr. President, so far as I recollect, there was no form of assistance in currency. Financial assistant. At that time, the Il n'existait aucune assistance financière à l'époque. China helped us with weapons, and weapons La Chine could be nous fournissait sent to un soutien us through sous la forme the assistance of Vietnam, qui nous était envoyé who transported them for us. Via le Vietnam, lequel assurait le transport de ces armes. Comment concrètement, la population locale pouvait-elle satisfaire ses besoins en nourriture, en vêtements ou en médicaments? Est-ce que tout ceci lui était fourni ou est-ce qu'il y avait des trocs qui étaient effectués au niveau de la population? Mr. President. Réponse. Monsieur le Président. The practice depended on different locations in the country. Cela dépendait. In locations close to the Thai border, à proximité we de would la frontière use Thai baht nous employions as the le baht thaïlandais. Monetary unit for trading. Pour les échanges. However, in the whole country, in cooperatives, mais ailleurs dans le pays,
dans les coopératives. They exchanged goods that have been purchased at the Thai border with the products or produce de biens qui avaient été acquis auprès de la frontière thaïlandaise. Produced by the local people here in cooperatives. Et cela a été troqué contre les biens produits dans les coopératives. Qui détenait des bahts thaïlandais? Est-ce que c'était tous les particuliers? Est-ce que c'était les responsables locaux? Est-ce que c'était les responsables du parti? Comment les choses étaient-elles organisées? How were things organized? Response. Mr. President. Monsieur le Président. The administration section was in charge of these matters. I was involved only in education. Chargé de ces questions. Moi, je m'occupais seulement only d'éducation. That I cannot know much about these money things. Et je ne sais pas grand-chose de cette question relative à l'argent. Qui au sein de l'administration était en charge de ces questions? C'est vraiment du quotidien de la population dont il est question. Mr. President, I do not Je suis désolé, Monsieur le Président. Quite understand. Je n'ai pas bien compris la question. Last question. Could you repeat? Est-ce qu'on peut la répéter? Monsieur Nunchia, vous avez dit que c'était l'administration qui s'occupait de ces questions, notamment des achats ou des trocs qui servaient à satisfaire les besoins de la population. In order to provide for the needs Je vous demande qui, précisément, dans cette administration, s'occuper de ces questions. Ce sont des questions qui me paraissent fondamentales parce qu'il s'agit du quotidien de la population. Réponse. Monsieur le Président, I was involved in the education section, je m'occupais d'éducation. That matters were more relevant to the governmental section. So I les questions am afraid I dont on parle ici relevaient de l'administration, et je ne sais pas grand-chose là-dessus. Et vous, Monsieur Nunchia, personnellement, vous étiez amené à faire des trocs pour satisfaire vos propres besoins de consommation? Comment faisiez-vous pour vous vêtir, vous nourrir, pour obtenir des médicaments? How did you get medicines? Réponse. Mr. President, Monsieur le Président, I stated there was some comme je l'ai currency indiqué, units, goods were exchanged with the Thai people, and those on goods or commodities would be traded with people in cooperatives. And ensuite, we also received some ces marchandises étaient troquées dans les coopératives. From the, nous recevions aussi une aide de la part de la Chine. Alors, qui décidait des distributions auprès de la population au Now, niveau des coopératives? Comment cela était-il organisé? Comment vous receviez ce qui était nécessaire pour vos besoins, pour satisfaire vos besoins? How did you receive what you needed to meet your needs? Your Honor, this is the responsibility of the cooperative. C'était each cooperative du ressort des coopératives. Chaque
set up what they need, and the cooperative is responsible for distributing those staff and materials among members of each cooperative. Les coopératives qui avaient la responsabilité de distribuer ces biens auprès de ses membres. Monsieur Nuncia, vous étiez, vous avez dit, en charge de la formation. Mr. Nuncia, c'est pratiquement ce que vous avez told dit us depuis that you were in charge of training. Quand vous effectuiez des formations, since the beginning, est-ce qu'il vous arrivait de vous rendre au niveau des zones, des districts, sessions, des coopératives, you have to go to zones, est-ce qu'il vous est arrivé de vous intéresser and pour savoir si les besoins de la population étaient satisfaits? Interested in finding est-ce que vous avez posé des questions? The people est-ce que met? La situation vous paraissait satisfaisante? Did you ask questions? Did the situation appear to be satisfactory to you? Did you try to obtain information? Mr. President, I do not go down to village regularly. Before I went to each zone, it depends on the. I had to seek approval from the secretary zones, of each zone, and I have not been to every zone myself. Je n'ai donc pas visité chacune des zones en personne. When I went to visit the zone, I also witnessed that certain places were, of course. J'ai remarqué of, que staff and materials, qu'à certains other endroits, il y avait des pénuries places, d'équipement et de had, personnel, moderately sufficient, staff et que d'autres endroits for, avaient for suffisamment them. De personnel. De quel type de pénurie s'agissait-il? De quoi manquait-on? What type of shortage are you talking of? What did they lack? Some group of people. Your Honor, we did not have much problems with, for example, food supply. If we were short of food, then we would try to cultivate in order to supply ourselves with food. So, pour augmenter les aliments disponibles. As I mentioned earlier, the situation was rather chaotic at that time, and there were infiltrations by the Vietnamese soldiers. La situation était assez and Vietnam waged a war, des soldats and they le Vietnam were also engaged in the war against the American bombardment as well, and then they evacuated people from one place to another. So the et situation was quite chaotic. And cooperatives as well have to be on the move as well. So the situation was not at all in order, and security was not ensured. Nous n'avions pas d'assurance en matière de sécurité. Monsieur Nuncia, je vais vous reposer ma question. Mr. Nuncia, vous avez dit que vous avez noté des pénuries et des manques de personnel. That he observed that vous avez dit que there was a shortage pas de problème en ce qui concerne l'alimentation. Alors, quelles staff. Étaient ces pénuries que vous avez constatées? Talked about qu'est-ce qu'elles concernaient shortages. Ces pénuries? What exactly was in short supply? Some what are you talking about? Look at your car, Your Honor, we found that we at times sort of food as well, for example rice, but we barter with one another. For example, if one cooperative was in short of food, then they would barter from other cooperatives as well. So we had mutually assisted each other in time of shortage. But as I informed Your Honor earlier, in terms of sufficient, it is not sufficient, but we have to live and let live together. C'était pas une question de suffi.
il fallait faire avec. Quels étaient les manques de personnel? Il me semble que vous avez fait état de manque you de personnel. Of shortage quoi ça of consistait? Staff. What exactly are you referring to? What did such shortage consist of? Some group no pertain. Like you talk about book, did not have a sufficient capital, human resource because many people have humaines. Been gathered to join the army. So Quand labor force to cultivate or to produce any production is not Et sufficient. Donc, nous n'avions pas assez de ressources humaines pour la production agricole. Vous avez également dit tout à l'heure que vous receviez une assistance you de la Chine et notamment that you que des armes vous étaient livrées from par l'intermédiaire du Vietnam. And in particular you said Est-ce that que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette assistance? Est-ce que c'était une assistance qui était totalement gratuite? Was Est-ce que c'était completely des matériels free of charge? Qui étaient vendus? Or was this military qui faisait l'objet equipment de prêt, sold de to don. You? Was it donated? Quelle était l'importance was it de loaned ce matériel out qui était fourni? Est-ce que vous avez What une is idée the significance du montant of des sommes que cela pouvait représenter? That was provided to you. Can you give us an idea of Some the estimate, the amount of money involved? Your Honor, as I informed you earlier, I was not in charge of military affairs. And as for the detail of the matters, I did not have any knowledge of. But as far as I know, the military assistant by China was quite confusing as well, Chine, and then there has been some irregularities in the process confuse. Of transferring the weapons from China. For example, sometimes those weapons were supposed to send to the Democratic Cambodia, but it was instead sent to the National Liberation Front and to other places nationale. As well. Sometimes one third of the weaponry supplied were taken by others, so it was quite confusing, d'autres. And we were short of people to manage this Nous affair as well, and we had to, from time to time, run away from the bombardment, aerial bombardment as well. Pour nous protéger des bombardements aériens. We once had insisted that Vietnam transfer the weapons sent from China to us, a certain truck of weaponry, but when we were transferring certain truck of weaponry, but it was actually bombarded and all the weapons were destroyed. Bombardé, toutes les armes ont été détruites. Monsieur Nunchia, je comprends que vous ne connaissiez pas le Mr. détail Munchia, des I do understand fournis. That you do not understand Mais in detail je pense qu'il doit être possible pour vous that was supplied to de you. Nous dire But I believe si it is ces armes for you étaient to tell us données whether those ou si elles étaient were vendues donated, ou si elles faisaient whether they were d'un sold, prêt, d'un crédit Part par of a loan la République populaire de Chine. Provided by the People's Republic of Ou bien, China. Est-ce que vous voulez nous dire que Or ce type de question to tell us whether n'a jamais été discuté lors des réunions never que vous pouviez avoir during avec the meetings d'autres responsables you may have had du Parti communiste du Kampuchea? Other officials of the Communist Party of Kampuchea. Your Honor, as far as I know, the assistant from
China, dans ma connaissance, whether it be military l'assistance or de la Chine, clothes or garment assistance, assistance without any bond, without any condition whatsoever. Était une assistance sans condition. Donc c'était des dons. Do you mean therefore that they were gratuits. Donations given to you free of charge? Yes, that's correct, Your Honor. Oui, oui, c'est exact. Et cela a toujours été le cas? And was that always the case? Est-ce que la Chine, la République populaire de Chine, a toujours fourni des dons, what I mean des approvisionnements militaires de façon the gratuite, the ou bien est-ce qu'à un moment cette military equipment to you pratique free of charge, a changé et est-ce que la Chine vous a vendu du matériel militaire? Was such military equipment sold to you by the People's Republic of China? Part of the military assistance was provided by China free of charge, but part of the weaponry that we have obtained are from the seizures of weapons from the colonial regime when we conquered in the fighting. Des armes de l'ONOL dans le cadre de as for the exact number of weaponries we possess, I do not know because I was not in charge of military affairs, dire, so I did not have detailed knowledge of that. Une connaissance détaillée de cela. Il y a peut-être un problème de traduction ou de compréhension, je ne sais pas. Well, mais ma question était la suivante. Est-ce que à un certain moment, la Chine a vendu du matériel militaire plutôt que de le donner? Est-ce que ma question est claire? Est-ce qu'elle est compréhensible? To you instead of donating it. That was the main thrust of my question. Your Honor, China has never sold weapons to the Democratic Cambodia. Those assistance was free of any bond, or it is without any strength. Sans condition. Est-ce que, en dehors d'une assistance en matériel, il y a eu également une assistance en conseiller technique, conseiller militaire? Qui a été apporté par la République populaire de Chine. Any assistance in terms of technical or military assistance by the Republic of China, the People's Republic of China? Yes, Your Honor, there have been technical assistance in railway operations. Technique pour des because back then we were restoring ferroviaire. The railway. Car nous étions en train de rétablir la voie ferroviaire à l'époque. But there was no political assistance. There was only technical assistance provided by the People's seulement Republic of China. Que nous fournissait la République populaire de Chine. Monsieur Nunchia. Parmi le matériel militaire fourni par la Chine, Mr. Nunchia, de quel type d'armes s'agit-il? Uniquement des fusils? Est-ce qu'il y avait des canons? Est-ce qu'il y avait des chars? Est-ce qu'il y avait des lance-grenades? Est-ce qu'il y avait des roquettes? Quel est le type de matériel militaire qui était fourni? What type of military equipment? Your Honor, as far as I know, majority of them were the handguns.
And as for tanks and other rocket propeller or launcher, I do not have knowledge of. And they have so far, they had provided, as far as I know, some rocket launchers as well. But I am not at all an expert in this area, so I don't know much of it. Pas un expert en la question. Alors ma question est la suivante. Est-ce My que question to you is as les follows. FAPLNK disposaient de toutes les compétences techniques, de toutes les connaissances militaires nécessaires à l'emploi du matériel et de l'armement fourni par la République populaire de Chine, ou bien est-ce qu'il y a été nécessaire pour certains cadres d'obtenir une formation, et qui a effectué cette formation, to obtain training, and who provided such training? Your Honours, we actually did not need any technical training in using those weaponries, because they are conventional weaponries and they are actually not difficult to use. They are unlike the rocket launcher or missile or something. So those are conventional indeed, so we can use, we did not require any technical training. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions à poser à l'accusé. J'aurais cependant un certain nombre de documents éventuellement à présenter. Je n'entends pas poser de questions particulières. J'entends éventuellement que dans l'accusé Nunchia, que les autres accusés puissent éventuellement réagir, si le souhaitent, aux documents que j'envisage de présenter devant la Chambre. Mais peut-être que cela pourra être fait ultérieurement, je ne sais pas si d'autres personnes peuvent poser des questions à l'accusé. Je ne sais pas si questions pour l'accusé. The President, Your Honor, members of the bench, do you have any questions to put to Nguyen Chia? Les juges ont-ils d'autres questions à poser à Nguyen Chia? It appears that there is no question from members of the bench, so again I hand over to Judge Laverne put documents before the parties and the accused. De ces documents. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Le premier document que j'aimerais présenter est un document qui s'intitule « Discours du camarade Pol Pot, secrétaire général du comité central du Parti communiste du Kampuchea, lors du meeting commémorant le 17e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Kampuchea et à l'occasion de la proclamation officielle du Parti communiste du Kampuchea, document daté du 27 septembre 1977 et qui porte par ailleurs le titre suivant « Les grandioses victoires de la révolution du Kampuchea sous la direction juste et clairvoyante du Parti communiste du Kampuchea ». Alors, c'est un très long document qui porte les références suivantes. IS 4.40, ERN en français, and the ERN in French is 000 12 471 à 000 12 528, ERN en anglais, and the ERN in English is as follows: 000 12 698, ERN en Khmer, 000 19 250 à 000 19 392.
92. Ce qui m'intéresse aujourd'hui à ce stade, ce sont les pages 48 à 51 du document en français. Et plus précisément, dans ce discours, il est question des différentes formes de lutte révolutionnaire qui ont été déterminées par le Parti communiste du Cambodge lors de son congrès de 1960. Et il est dit ceci, and it is stated as follows. Le premier congrès de notre parti a déterminé les formes révolutionnaires suivantes. The following revolutionary forms. Le recours à la violence révolutionnaire politique et à la violence révolutionnaire armée. And armed revolutionary un peu plus loin, violence. Secondo, and les formes de lutte légale, semi-légale legal, et illégale. Semi-legal and illegal. Tertio, les formes de lutte ouverte, semi-ouverte et open, clandestine. Semi-open and clandestine forms of et là, je the vais struggle. Lire un passage in this regard, où il dit ceci. I will read a passage and it states as follows. Aussi, le parti similarly, s'est-il attaché the party à bien répartir le travail sure entre les cadres. Work was properly shared out among à tel camarade the cadres. A été confié le travail ouvert some à tels autres, comrades, le travail open en tant work que was député to others, de l'Assemblée, work as en members tant of que parliament was membre assigned du gouvernement sous l'ancien régime, as members of government under the en tant que fonctionnaire de l'administration, in their capacity as le travail ouvert state employee, dans les différentes organisations de masse, open work in le travail various de mass presse. Organizations, press work. Ce sont les différentes formes à utiliser these pour le travail d'agitation des masses. C'est ainsi que nous avons réparti le travail entre nous. And this is how we shared out cependant, work il existait ourselves. Des sections however, de travail clandestin there were sections pour for faire clandestine de l'agitation work parmi la population clandestinement. Cause agitation among the à population. Phnom Penh, il y avait des sections secretly, de travail ouvert Penh, et des sections de travail clandestin. Work and sections for clandestine de même, work. À la campagne, similarly, il existait des sections de areas, travail ouvert et des sections de travail clandestin. Clandestine le travail work. Clandestin était fondamental. Work was fundamental. Il permettait de défendre les it forces révolutionnaires allowed for the et permettait of également forces, de soulever le peuple. And it also si un trop grand nombre d'entre nous ou si nous tous nous avions travaillé à découvert, l'ennemi aurait pu nuire à beaucoup d'entre nous ou nous nuire à tous. Would have punished many of us or voilà, donc hurt c'est le premier extrait, premier extrait de ce discours. This is the first excerpt from this speech. Que par hasard, Monsieur Nunchia se Mr. souvient Nunchia, du discours qui a été prononcé par do you, perchance, Pol Pot. Remember the speech? Le 27 septembre 1977, est-ce qu'il se souvient de ce que je viens de lire? 1977. Does what I have read out to you ring a bell? Som korop lopatien oi khnyom to chong cham a mai ban bo yu chnam na sa. How can I remember the whole story, particularly the speech you comment mentioned, because it has been such a long time. But according to discours, what you longtemps read out, I understand part of it. But if I j'ai try to dwell on that lu subject, I think it's going to be long-winded. Si but I try to be brief sujet, on that matter. Long. When we talk about militia, militia war, it is not the official war or so. Following the Geneva Conference, de la lutte we vous savez, established the people's group. In other words, those groups work openly in society. And for example, they publish newspapers, exemple, but there are other underground groups. They have some clandestine
operation. Journaux, for example, those people who endeavored to build up the party. Et ces personnes avaient la responsabilité and those de who construire work openly, they operated normally, openly, but those who work in the clandestine operations, they moved it underground. Quant à ceux qui menaient les activités clandestines, but those who operated openly, sometimes we also try to incorporate the revolutionary ideas. So there was a combination of open operation as well as the underground operation. Nous avions donc and when we talk about guerrilla warfare or so, it's, it takes different forms. Of course, we endeavor to get many things done. Formes. Sometimes we also indoctrinated people Au with political lines, and sometimes we had to do other, other stuff personnes. As well. So it is a very long-winded story if I have vous to savez, dwell on that matter. Une histoire bien longue si vous voulez que j'en parle. Monsieur Nuncia, est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes d'accord Mr. Nuncia, avec would you be able to tell us whether you agree with the sentence I read out? Il a été confié le travail ouvert. That is, to some comrades, le travail open en tant work que was député de l'Assemblée, and to others work as ou en tant que membre du gouvernement assigned, de l'ancien régime. And other work was assigned to est-ce que, others effectivement, as of cela the faisait partie regime, des décisions, des lignes politiques was this, décidées fact, par le Parti part communiste du Kampuchea. Of the decisions on the political line as defined so, by the Communist Party of Kampuchea. Your Honor, as I informed you earlier, juge, I was in charge of education déjà dit, and the details of the clandestine operation or the open work in the National Assembly, they donc, had their own task to do. They followed the party's political line and they had some kind of maneuvering of the political line. And there were some progressive groups who actually applied the political parties in their operation. Ont mis en œuvre les politiques du parti dans leurs opérations. Et qui faisait partie de ces groupes? And who were the members of those groups? Response. Your Honor, Mr. President, I don't remember them. I think plus. I stated time and again that once Pol Pot called me to meet with him when I was told that I should not be worried about intellectuals. What I needed to do was focus on education, on m'a dit de me concentrer because sur les questions my d'éducation. Knowledge of how I managed intellectuals was not adequate that Pol Pot asked me to do something else. Pol Pot m'a demandé de ne pas m'occuper des intellectuels. Eh bien, je ne sais pas si... Farewell. L'accusé que s'en pense souhaite réagir. Je veux simplement lui dire qu'il a la possibilité de le faire s'il le souhaite. Would like to react. If he has the means of doing so, would he be ready to react? Mr. Kiu Sampan. Good morning, Your Honours. Bonjour, good morning, Mr. President. Madame, Monsieur le Juge, bonjour, Monsieur le Président. Je thank n'ai you. Pas de commentaires à faire. Because this had something to do with events that happened all the way from 1960s. D'événements
and it is beyond qui remonte my knowledge. Aux années 1960. I already indicated in et cela my dépasse intervention le cadre de mes connaissances. How I entered j'ai the déjà party. Dit I comment joined j'étais the party entré au parti. Oral Mountain. Je suis entré au parti in au Mont Oral. It was en 1969. Close to the date when the coup d'état was staged. Un peu avant events le coup d'état. Before that was out of my pour ce qui knowledge. Est des thank événements you, antérieurs à cette date, je n'en ai aucune connaissance. Alors, on va passer à une autre série de documents. Il s'agit de documents qui concernent les mouvements de population des villes évacuées vers des zones de combat vers les régions sous le contrôle des FAPLNK. Et en particulier sur la situation de la ville d'Udong lors de la prise de cette dernière en 1974. Alors, les coprocureurs ont déjà présenté ce document, mais Mathieu Zekieu-Sampan n'a pas eu l'occasion de faire quelques commentaires que ce soit. Je voudrais y revenir. Il s'agit du document E3/25. Il s'agit de la revue Étendard révolutionnaire, du numéro spécial décembre 76, janvier 77, et de l'article intitulé extrait de l'allocution des représentants de l'encart du parti à l'occasion du 9e anniversaire de la naissance de, l'armée révolutionnaire du Kampuchea, la plus audacieuse et la plus puissante qui soit. Les ERN en français sont les suivants, S00504049. 00504050. Il s'agit des pages 36 et 37 dans la version française. Il est dit ceci. Nous avons remporté la victoire parce que nous avons réussi à mettre en œuvre la ligne de combat de la façon la plus parfaite qui soit. À combattre les ennemis sur le plan politique, nous voudrions prendre un seul et unique exemple en matière de conquête populaire. Dans l'histoire de notre planète, personne n'a jamais conquis une quelconque population. Cependant, notre ligne politique consistait à conquérir la population. Peu importait le nombre de personnes, même une personne, on l'aurait recruté, même deux personnes, on les aurait toujours prises. Il était impératif de conquérir tout le monde jusqu'à ce que nous arrivions à conquérir tous les habitants de Phnom Penh. La ligne du parti qui consistait à conquérir les habitants du camp ennemi était parfaitement judicieuse. Dans le monde entier, cela n'avait jamais existé. Jamais. Si les ennemis avaient en main les habitants, ils avaient alors les militaires et ils avaient également l'économie. Par contre, s'ils n'avaient pas en main les habitants, ils n'avaient alors pas de force militaire et ils n'avaient pas de force économique. Nos arguments étaient tout à fait corrects. De ce fait, notre ligne politique était tout à fait juste, à tous les endroits, sans exception. Nous devions conquérir les habitants sans faute. Un peu plus loin, il dit ceci. Par exemple, nous avions libéré Udong en 1974. Ensuite, nous avions déporté tous les habitants. Lorsqu'ils avaient reconquis cette région, ils s'étaient retrouvés sans force. Il n'y avait plus de force humaine qui venait de la population. Il n'y avait plus de force économique, plus de force militaire. Par conséquent, nous avions réussi à les battre. En fait, nous n'avions même pas eu besoin de combattre.
Lorsque nous avons donné l'assaut final à Phnom Penh, nous les avions laissés de côté momentanément. Par la suite, nous avions combattu sur le front avant. Voilà, c'était une ligne stratégique qui était de la première importance. Il fallait absolument maîtriser la population pour s'emparer de la population. C'est la raison pour laquelle les membres de notre parti, nos combattants, nos combattantes et le pouvoir de la base doivent absolument bien comprendre aujourd'hui que tout ce qui touche à la population est de l'ordre de la stratégie. Dans ce sens-là, en d'autres termes, le camp dans lequel se trouve la population, c'est justement ce camp-là qui va gagner. Que ce soit la population à valeur stratégique ou la population à valeur tactique. Si la population à valeur tactique était dans notre camp, elle nous servirait. Si la population à valeur tactique était dans le camp des ennemis, elle servirait aux ennemis. Dans les affaires de défense du pays, dans le présent comme dans le futur, il est indispensable de parvenir à maîtriser parfaitement la population. Your Honor, the message was read to me, and I think my response j'ai entendu would be that ce message, in the voici ce que war, dire. We needed to grasp the population. Durant because la guerre, nous if we control the people, when population. People were sided with us, then they supported si us. If they were in the enemy camp, hands, then they s'ils would help the enemy. Ils so l'ennemi. In the guerrilla warfare, donc, that was la the guerrilla, strategy. C'était cette stratégie that had to be the strategy. Qui devait être appliquée. John. People had to be conquered. Il fallait conquérir les gens. Controlled. The more, il fallait the better. Les contrôler autant que possible. We need to deprive the people of the enemies, so as to leave the enemy with no people under their control. Que les ennemis puissent gagner des gens à leur camp. Pour que l'ennemi ne contrôle plus personne. Si je comprends bien ce que vous nous dites, Monsieur Nunchia, if I understand what you're dans telling us, Mr. Nunchia, l'optique de la guérilla, de la lutte révolutionnaire, from the standpoint of guerrilla warfare, la population était considérée comme un enjeu stratégique. To be a strategic stake. Celui qui avait la maîtrise de la population, whoever controlled the population prenait un avantage dans la lutte. Est-ce que c'est bien cela? In the struggle. Is that correct? Réponse. Your Honor. Monsieur le Président. I think sometimes the theory comes into only one form, but interpretation could vary. But my view is that when the more people we had, selon moi, the more plus nous avions de gens successful dans notre camp, we were. Plus nous aurions so remporté de succès. It depends on how people view the situation. Cela dépendait and de I l'interprétation cannot de la situation. Say exactly whether it should be a yes or no answer. Je ne peux pas répondre simplement par oui ou par but non. Frankly, on any side that were crowded with people, there was a tendency that they would win.
And those who c'était liked le camp qui avait le plus de gens de son côté qui pouvait l'emporter. Le camp qui avait moins de gens de son côté allait perdre. Monsieur Nuncia, quand il est question Mr. de Nuncia. Conquérir une population, when you are talking about conquering a population, à votre avis, in your quelle view, est la part de choix, de liberté qui est laissée à la population, what kind of et quelle est la part de force freedom is left employée to the pour population, la conquête what kind de la population of force is needed to conquer the population. Réponse. I think I don't understand your question clearly. Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous pouvez la répéter? Monsieur Nuncia, la question que je vous posais était la suivante. The question I'm asking is this one. Lorsqu'il est question de conquérir une population, you are quelle est la part de choix, la part de liberté qui est laissée à la population, et quelle est la part de force, de l'emploi de la force dans la conquête de la population? Réponse. Mr. President, Monsieur le Président, this matter is very practical. C'est une question très pragmatique. People need not to be demobilized or mobilized rather or conquered because il n'était pas nécessaire de conquérir ou de mobiliser les gens. Aerial bombardments, people il y avait could, eu des bombardements aériens intenses a more secure place, et les gens ont été conduits site, à se réfugier ailleurs, et c'est ainsi qu'ils se sont ralliés à notre camp. Back then, B-42 bombers dropped carpet bombs. The crater of each bomb could be as big as et chaque cratère a pond. Était de la taille d'un étang. In Kampong Cham, in one village, dans la province de Kampong Cham, half population par exemple, of the village perished because of the bombing. La moitié the de la population des villages, the rest of the population had to est move morte à cause to des bombardements. Places. Les survivants ont dû se réfugier ailleurs. So we did not et donc, need the force to mobilize. To nous n'avons move pas those dû people. Recourir the à la force pour gagner ces gens, car les habitants ont dû quitter les endroits qui étaient bombardés. Ils ont dû se réfugier ailleurs. Monsieur Nuncia, il est certain que Nuncia, le Cambodge a connu des bombardements massifs. Certainly, partie de la population a dû s'enfuir, mais dans l'extrait que j'ai lu, il s'agissait de populations qui se situent dans des zones de combat, dans des zones où a lieu la lutte entre, d'une part, les forces Khmer Rouge, les FAPLNK, et les forces républicaines et leurs alliés. Et dans ces zones-là, il y a des populations. Places, there were inhabitants. Et ces populations, j'ai pu comprendre qu'il fallait les conquérir. Who, as I understand it, had to be won over, had to be conquered. Donc je ne parle pas des populations qui fuyaient les bombardements des B-52. Ces populations qui étaient dans les zones de combat, these people who were living in the combat quel zones, était leur choix how much choice did they have pour suivre ou rester sur in place following
or staying put. Pour être évacué ou pour rester sur place. Being evacuated or staying where they were. Est-ce que ma question est claire? Is that clear? Mr. President, it is difficult to talk about how situation people were in the war. Those who could not stand the bombardment had very little choice. They were between the hard place and Iraq. So they were caught ils étaient dans une situation désespérée. Ils étaient pris dans un échange de feu. And I have to apologize to say this. People je suis désolé need de devoir to le be dire. In the actual warfare or the battle zones to experience il faut avoir this été situation. Sur un champ de bataille pour savoir ce que cela veut dire. Et vous avez été sur des champs de bataille, Monsieur Nunchia? And were you on battlefields, Mr. Nunchia? Response, no, I have Monsieur never been in the battlefields non, before. Non, je n'ai jamais été sur le champ de bataille. I was in the rear in education à l'arrière section, educating et je people m'occupais de l'éducation. At the back. Donc, pour vous, les combats sont restés toujours quelque chose de très abstrait. As you're concerned, the vous n'avez jamais vu de personnes évacuées. Abstract. You've never seen people who had been evacuated. I have never been to any battlefield. Je n'ai jamais été sur le champ I de bataille. I had always been in the back line. Je suis toujours resté à l'arrière. Sometimes people who could not stand no more had to evacuate les gens themselves qui n'en pouvaient plus voluntarily without being se déplacer forced volontairement to move. Sans y être and those inhabitants were barehanded. Ces gens n'avaient que leurs mains nues. The enemies discriminated no one. Those who were et not armed ne were pas also de différence the entre target les gens of their attack. Et non armés, même ceux qui n'avaient pas d'armes étaient visés par les attaques de l'ennemi. Est-ce que l'accusé Que Sampan souhaite réagir Does par rapport au document qui a été présenté ou est-ce qu'il souhaite s'abstenir de tout commentaire? Submitted, or would he rather refrain from making any comment? Kyo Sampan. I have already been firm on that position. J'ai déjà indiqué fermement ma position. And I would like to refrain from responding Je n'ai to aucun the commentaire à faire. Question. Alors, nous allons passer à un autre document. Il s'agit d'articles et de discours qui ont été publiés par l'agence Kampuchea d'information. Qui, en tous les cas, c'est comme ça que je l'ai perçu, se présente comme étant l'organe d'information officielle du FUNK et du GRUNK. Le premier document se trouve à la cote IS-12.5. Il s'agit de la revue Nouvelles du Cambodge, publiée donc par l'agence Kampuchea d'information, et du numéro 699. Dans cette revue, il y a une dépêche en date du 4 avril 1974 qui porte le titre suivant. Les troupes des traîtres de Phnom Penh sont en plein désarroi.
et acculés dans la défensive sur tous les fronts, tandis que les FAPLNK gardent toujours l'initiative et attaquent sans répit l'ennemi. Il s'agit de la page 7 de ce document en version française. Le RN français est le suivant. S000093 à 000094. ERN en anglais. 0028 05 56 à 0028 05 57. ERN en Khmer. S 006 22 57 à 006 22 59. Je lis l'extrait suivant. Le 15 mars, donc il s'agit du 15 mars 1974, les FAPLNK ont de nouveau attaqué en force et par surprise la ville d'Udong. Le 18 mars 1974, elles ont libéré totalement Udong. Une division ennemie a été anéantie et 30 000 habitants de cette ville et de ses environs ont gagné avec succès la zone libérée. C'est seulement après la destruction par les FAPLNK de l'ensemble du système des positions militaires, du pouvoir administratif, des camps de détention, des centres de pacification à Udong, que les traîtres se sont empressés d'envoyer des troupes de renfort pour reprendre la ville d'Udong. Je précise qu'il y a un autre article, toujours de la revue Nouvelles du Cambodge. Il s'agit cette fois-ci document IS-12.7. Article extrait du numéro 698, et il s'agit plus précisément de l'allocution du vice-premier ministre Khieu Samphan prononcée le 5 avril 1974 lors de la visite du Funk et du Grunk en Corée du Nord. Il s'agit de la page 15 en version française. Le RN en français est le suivant. S 000 0120 à 122. ERN en anglais. 00 28 05 84 à 00 28 05 86. ERN en Khmer. 00 59 61 38 à 00 59 61 41. Donc dans le cadre de ce discours, il est attribué à M. Khieu Samphan les paroles suivantes. Le 18 mars dernier, nos forces armées populaires de libération nationale ont libéré une autre ville, Udong, en anéantissant tous les soldats fantoches qui s'y trouvaient, ainsi que leurs renforts, soit plus de 5000 ennemis éliminés, dont 1500 capturés. Voilà. Monsieur Nunchia, est-ce que vous avez entendu parler de la prise d'Udong? Et est-ce que vous savez ce qui est arrivé à la population de la ville de Udong? Monsieur le Président, j'en ai entendu parler, how many people mais je ne sais plus combien de personnes ont été tuées, was many years ago. Car cela remonte à de nombreuses années. Est-ce que vous savez ce qu'il est advenu de la population qui vivait à Udong et dans les environs à la suite des combats? No, I don't, because I have never been at the battlefield. Parce que je n'ai jamais été sur le champ de bataille. En mars 1974, vous pouvez nous dire où vous étiez exactement? Can you tell us where you were in March 1974, please?
réponse. Monsieur le Président, je suis désolé, mais je ne m'en souviens pas. These events took place. C'était in many places. Il y a bien longtemps. Et je me suis trouvé à différents endroits. Bien. Je ne sais pas si l'accusé que s'en pense encore une fois s'abstenir de tout commentaire ou s'il veut dire quelque chose concernant ces documents. Mr. Kyosampan, Your Honours, as stated, I would like to exercise my right to remain Comme je silent l'ai indiqué, je souhaite exercer at this mon droit de garder le silence. Time, and I will change this position when time C'est fits. Ma position actuelle, Thank you. Et je changerai de position en temps opportun. Alors, nous allons passer à un autre document. Plus exactement, nous allons revenir au premier document que j'ai présenté ce matin. Il s'agit donc du discours prononcé à l'occasion de la commémoration du 17e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Kampuchea, donc discours prononcé par le camarade Pol Pot. Il s'agit cette fois-ci de la page 71 en version française, et je rappelle simplement qu'il s'agit du document IS4.40. Et il s'agit donc d'un extrait de la deuxième partie de ce discours intitulé « De la révolution nationale démocratique sous la direction du Parti communiste du Kampuchea ». Je cite « Notre parti a ainsi défini sa ligne de lutte, lutter à la fois sur le plan militaire, sur le plan politique, en enlevant political level la population à l'ennemi. Taking the population away sur le from plan the enemy. Politique, sur le plan économique, en lui coupant tout ravitaillement et sur tous les autres plans, notamment en démantelant ses réseaux d'espionnage et en suscitant un mouvement d'opposition à la guerre d'agression au sein des troupes ennemies. Donc, est-ce que lorsque je lis que le parti a défini une ligne de lutte consistant sur le plan politique et militaire à enlever la population à l'ennemi, cela rejoint ce que j'ai déjà lu et qui était contenu dans l'article d'étendard révolutionnaire. Ou est-ce que cela recouvre quelque chose de différent? Réponse. Mr. President, Monsieur le Président, I don't remember. Je ne m'en souviens pas. Several articles. Il existe différents articles. Too many to remember. Et ils sont trop nombreux pour que je m'en souvienne. And on top of that, as I en plus, say time and again, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, if the prosecutors put question on the ideology, education, si des questions sont posées training, sur l'idéologie, l'éducation, la formation. I think I am in the good position to respond. Je serai en mesure de répondre. But when the attention is turned to military si issues, I'm afraid not, because I've never been at any battlefield. Parce que je n'ai jamais été sur le champ I de may bataille. Say that I have heard of such incidents. J'ai entendu parler de ces choses. The President,
thank you. Le président. Since it is now an appropriate time for adjournment, the court will adjourn for 20 minutes. Les débats reprendront the next session will minutes. Be resumed by 10 to 11. Security personnel are now instructed to take Nguyen Chia le to his seat behind his counsel and return him to the dock before the next session. Nguyen Chia thank you. À sa place derrière ses avocats et de le ramener Jake pour la reprise de l'audience.